aujourd'hui on est le lundi 7 mars, il est donc 7h06 et aujourd'hui on va donc avec la classe à beauté sélection, je crois, c'est un truc comme ça. Bref, je vais y aller parce que sinon je vais être en retard, parce que je viens tout juste de finir mon maquillage en plus. J'ai dû tourner une story par rapport à ce make-up, bref, ça a été un enfer ce matin, j'ai dû me dépêcher comme jamais. J'ai eu le temps de mettre des fossiles, incroyable, bref. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est sublime. C'est magnifique. Oh my god. Mais tous les vernis, mais c'est énorme. Regardez ça là, ceux-là là. Oh, mais ils sont magnifiques. Et après, vous pouvez les prendre, c'est aimanté. Ah, super. C'est une merveille. Mais allez nous le dire plus tôt. C'est grave. Ryan, il va grave couper ça dans son vlog, genre il va se dire purée, tout ça de rush pour rien. Il va avoir 24 heures de rush, il va être en mode... Je fais ma caméra parce que là sinon il y aura trop de rush. C'est ce qu'on disait en plus. C'est vrai. On a pris plein de paillettes. Ah, t'as pris des paillettes toi aussi? Ok, oui. Bon alors je m'en suis pris donc en vert. Donc ça s'appelle la teinte Jingle. J'ai pris la teinte Royale, un bleu. J'ai pris un lila, magnifique. J'ai pris la teinte opale. Ok, opale. Magnifique. J'ai pris la teinte mandarin ou mandarine. Moi, c'est ce que j'ai. J'en ai pris en rouge. C'est pas le nom est pas cohérent, mais ouais, voilà, en rouge. Montre-nous ta sélection. Mais en fait, je peux pas montrer les couleurs parce qu'ils sont emballés. Mais en gros, il y a un vert fluo. Non, mais attends, dis-nous ce que c'est. C'est un pot de gel de couleur. Oui, ben voilà. C'est pour les... Oui, c'est pour les ongles en fait. Et donc, elle a acheté. Voilà, j'en ai acheté 4 pots de couleur. Il y a un jaune, non, un vert fluo, un orange, un rose et un. On rappelle à pleurer plein de couleurs. Voilà. Du coup, je me suis acheté un top coat pour les ongles, pour le semi-permanent. Les gens me jugent. C'est, on s'en fout. Hein. Un marron. Je connais pas cette marque, j'ai jamais essayé. Mais moi non plus, je connaissais pas cette marque. Et j'ai jamais entendu parler en fait. Bah, moi. Et des paillettes, enfin de la poudre nacre blanche qui fait un truc, un effet holographique. Très bien. Et ils étaient vraiment trop gentils. Et oui, après, les prix, gentils, les prix sont archi abordables. Voilà, on a fait des petites extensions de cheveux à exprès. Pas pour moi, mais c'est très beau. Mais appuie sur le s'il te plaît, c'est incroyable. Elle a pas d'os. Bon, les zoubis. Non, mais je n'en peux plus. La journée est donc terminée. Qu'en as-tu pensé de cette journée? C'était cool, franchement. C'était bien, je sais pas mais. Si Ryan, il a filmé non, les mais, derniers shows. Si, bien sûr. Il était bien, mais que les shows. Parce qu'après, on se faisait chier, on va pas se mentir. Oui, non, je te parle du dernier show, moi, je te parle du dernier show. Oui, mais même, les shows en soi étaient bien. Oui. Parce que c'est ça qui permettait de, ouais, d'embellir la journée. Parce que franchement, en vrai. Sinon, on se faisait chier. Tu fais le tour en 10 minutes et tu rentres chez ta mère. Bah, clairement. Donc voilà, bref. Je vous laisse sur ces belles paroles. Bisous. Aujourd'hui, on est donc le lundi 21 mars. Et aujourd'hui, donc, je suis donc à l'école avec encore les loustiques. Oh, maquillage vieillissant, voilà, à base de fard et non de latex.
Laisse tomber. Laisse tomber ces engins. Qu'est-ce que c'est que ça encore? On t'enfonce ces trucs de nos jours. La vie suisette à ma groupement depuis là, la retraite, ça va pas trop. Hein. Elle m'a fait son enterrement l'autre jour. Est-ce que ça. Rayon, est-ce que ça filme là? Comment, oui, ça filme, mais comment tu sais si mais ça, grand, filme, ça filme? Il faut là que j'appuie là. Mais... Non, il faut que tu regardes ma grand à la cam. Voilà, tu ne fais rien. Salut la commu. Bébé, regardez, bébé. Oh là, regarde mère grand. Oh là, et les mais elle fait flipper là. Une autre mamie que nous avons par ici. Coucou. C'est mamie Lucie. On est donc le samedi 26 mars, il est donc 7h28 et aujourd'hui donc j'ai pas fini de me préparer, je vais être un peu en retard donc je parle en même temps que me préparer. Mais donc aujourd'hui je vais à la masterclass de ma formatrice, donc Nadège. Voilà, donc je vais vous y emmener avec moi. Elle a l'air chiante ta traîne. Elle est relou, elle est relou. Bon, avant que ça commence, on fait une petite bronzette. Regarde là. Voilà, allez hop. J'avoue qu'on est trop bien. En plus, on a le soleil. Ryan est sorti de sa ferme, bah, sa campagne. Bah, mais moi je sors, mais Ryan ne sort pas. Ryan. Non, moi je travaille. Ryan. Bah moi aussi. Non, toi tu fais rien. Elle est où la chaîne Emakata? Bah elle arrive. Elle arrive quoi? Bon, ce matin, du coup, on a eu donc deux prestations maquillage, c'est oui. Ça, avec Cindy et Nadège. Exactement, c'était très beau, il y avait des explications, des petits produits à gagner, je n'ai rien gagné. Évidemment. J'ai gagné quelque chose, j'ai gagné un rouge à lèvres. Oui, enfin, toi, t'avais même pas un produit à gagner, c'est... Non, c'est... Ben, normal, c'était un lancer, non. C'est pour le oui, oui, je suis d'accord. En général. Mais on avait quand même répondu aux questions et tout, alors que lui, pas du tout. Pas du tout, parce que en vrai, je ne savais pas la réponse. Et en plus, du coup, je sais pas si je vous l'avais montré, mais bon, c'est un peu ridicule, mais on s'en fout. On a gagné des produits. Oui, il y a eu un problème de livraison parce qu'on aurait dû avoir un sac. Mais du coup, on a eu un sachet, voilà. Je vous montrerai ça ce soir. Exactement. Avec
la palette de Marion parce que je la reçois ce soir. Moi j'avoue que je l'ai déjà reçue, j'ai testé. Oui. Et ben Pierre, tu sais quoi? Casse-toi avec ma caméra, tu dis ce que t'en penses et moi je me tire. J'ai beaucoup aimé, très pigmenté franchement, très poudreux, donc il faut faire très attention aux chutes. Mais par ça, moi j'ai adoré. Attention au rose parce qu'il m'a un peu taché la paupière, mais bon, je m'y attendais. Parce qu'en général, les teintes roses, ça tache beaucoup. Mais voilà, je suis très contente. Donc voilà, à retester. Et bravo Marion encore une fois. Voilà. Donc on a reçu un sac, comme je vous disais tout à l'heure, avec des produits. Je vais vous donc les montrer. Tout d'abord, une éponge, donc avec une forme, vous voyez, un peu plate. Biseautée. Voilà, biseautée. Et là, une forme pointue. Donc très bien. Comme il kiffe. Exactement. Pointu. Ensuite, on a eu un lait démaquillant. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, on a donc l'Aquaresist en teinte Captain Cooper. Captain Cooper. Je vous fais un petit swatch parce que... Non, mais tu vas le gâcher. Si, t'as raison. Je sais pas si vous allez voir. Si vous le voyez, je le vois. Voilà, très joli. C'est donc un fini lumineux. Donc ça, on adore. Donc ensuite, on a eu un deuxième rouge à lèvres. Vous savez, je l'ai déjà utilisé. Ta gueule. Donc j'ai utilisé dans une vidéo, c'était la teinte 08 et là, c'est la teinte 04. Waouh. C'est incroyable. Je vous montre la teinte. Je sais pas si vous voyez. On essayera sur la bouche. On ne juge pas avant de l'avoir testé. Jamais. Exactement. Jamais. Après, on a mis un spray fixateur. Donc ça, c'est vraiment bien. En format miniature, il existe en plus grand. Voilà, allez checker. Et ensuite, on a eu deux pinceaux. Donc un pour appliquer le masque et un pour estomper la matière. Et ensuite, j'ai gagné. Enfin, j'ai reçu en me balançant sur ma gueule, on va dire. Enfin, pas sur ma gueule, mais sur la gueule de Soise. Voilà. Donc une teinte, donc c'est un liquide lipstick. Non, c'est un liquide mat. Un lip crush. Voilà. Le voici. Je vous souhaite aussi. Il est très joli. Beaucoup plus rose et ça j'aime pour un côté nude. Comme ça, si en tout cas ça part, bah ça se voit pas trop. Comme ce que j'ai fait un peu aujourd'hui, parce qu'on est intelligent par ici. Et dernier produit, tu sais, moi, j'ai... la smoothness. Voilà, donc une poudre nous, que j'ai achetée. Merci Maïga. Donc c'est une poudre qui va vraiment lisser le grain de peau. C'est vraiment magnifique. Ça a un côté un peu hydratant, fraîcheur, c'est ça. Tu confirmes la chose. C'est un bio. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez qu'elle ressemble à Gaëlle Garcia Diaz? Ah oui, je vais vous montrer la modèle. Donc c'est elle, je vous mets une image juste en haut. Elle est incroyable. Il est 19h07, je suis donc bien rentré chez moi après une heure et demie de route. Voilà, bon bah écoutez, j'ai passé une bonne journée, ça a été vraiment très intéressant. Mais pour l'heure, c'est l'heure du grand jour, puisqu'il s'agit donc des produits Marion Camélon X Sephora Collection. Vous pouvez même pas imaginer à quel point c'est un honneur de l'avoir entre mes mains et d'avoir la chance de l'avoir, surtout parce que ça a été juste une angoisse pendant la commande. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. Et voilà donc l'harmonie de la palette. Oh my god, j'aime trop. Et donc l'autre, c'est donc un liner. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert et je vais que l'ouvrir demain. Au niveau de la qualité, je n'ai pas swatché, je ne vais rien swatcher parce que je tourne la vidéo demain et je veux la plus grande surprise totale. Donc voilà, je vous montre juste le packaging, voilà, et tout ça, mais je suis absolument trop content, vraiment. Voilà, en tout cas, le vlog va donc se terminer. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous dire, mais j'ai fait mes ongles. J'aurais pu le filmer, hein. J'ai été un peu con, effectivement, là, sur ce point-ci. Mais j'ai fait mes ongles. En fait, je ne savais pas si je voulais faire noir, enfin, tout noir ou tout blanc, donc j'ai fait les deux. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.